Et salut tout le monde les gars, c'est le Graveur, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite. Dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? Et bah comme vous le voyez à l'écran, on va repartir encore comme la dernière fois pour faire un only up sur Fortnite. Parce que oui, la dernière fois c'était pas fameux, on avait bien ragé, on avait même été éclaté au sol. Ben là, on va essayer d'être meilleur et on va essayer de battre notre record. Et les amis, vous savez quoi? Aujourd'hui, on va pas lancer en partie privée, on va lancer en partie publique. Peut-être que ça sera meilleur, peut-être que ça sera plus drôle et peut-être qu'on va mieux réussir qu'en privé. Donc c'est parti, on garde le même skin et on lance la game, let's go! Allez c'est parti, on est dans la map, j'ai bloqué bien sûr la discussion vocale parce que j'ai pas envie qu'il y ait un mec qui spawn et qui gueule comme ça au hasard dans la map et qu'à cause de ça on tombe et ça fout bien le seum. Donc c'est parti, là on voit le petit Bambi qui galère déjà. Bon après je vais pas trop parler parce que je vais me prendre un karma, je vais moins rigoler. Ah ouais, carrément ils ont tout tagué, ah ouais... Ok, lui, je crois qu'il a pas trop envie de monter. Ok, pourquoi pas. Et ça y est, c'est parti. Nous revoilà sur cette map, sur cette fameuse épreuve. On s'en rappelle. Maintenant, on se rappelle aussi que le début, on le gère. Oh, là, j'ai failli mourir. Mais voilà, le début, c'est easy pour nous maintenant. On l'a tellement fait de fois, donc il n'y a aucun problème. Là, par contre, c'est un peu plus compliqué. Voilà, déjà, première chute. Maintenant, on se rappelle aussi que le début, on le gère. Mais en tout cas, ce que nous a appris la vidéo de la semaine dernière... Enfin du moins il y a 2 semaines parce que la semaine dernière j'ai pas fait de vidéo. C'est qu'il faut bien prendre son temps. Parce que faut pas aller trop vite parce que sinon tu tombes et tu perds encore plus de temps. Oula. J'ai eu un petit bug. Oula. Donc voilà on va... Oh non c'est une blague, j'ai oublié de sauter. C'est vrai il y a plein de personnes autour de nous. Ça fait bizarre. Et lui il est toujours AFK, je sais pas ce qu'il fait. Peut-être qu'il s'est fait daronner. Force à lui en tout cas on n'est pas ensemble. Non mais non. Mais c'est quoi cette wifi de merde? Putain. Du coup, ce que j'étais en train de dire, c'est qu'on va bien prendre notre temps pour pas faire de la merde et justement être sûr de réussir au moins à passer la saison 3. Parce que la dernière fois, on s'était arrêté mi-saison 2. Donc là, notre objectif. Mais encore une fois, je me fais avoir là-dessus. Purée. Oh, purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai ça. Du coup, notre objectif, ça serait de passer la saison 3. En théorie, parce que si on n'y arrive pas, bah ça va être chiant. Vous savez quoi, les gars, comme j'ai dit. On va bien prendre notre temps et on va prendre l'autre chemin le plus long mais le plus simple. Parce que dans la vie, un grand sage a dit, prends le chemin le plus long, il te mènera au meilleur résultat. Mais qu'est-ce que tu me baragouines? Et bah là, on va persévérer, on va prendre le chemin le plus long et on va arriver au même résultat. Même si ça sera plus long. C'est pas grave, on a tout notre temps. Enfin, on n'en a pas tout le temps, mais voilà quoi. Oh oui, je m'en rappelle, la dernière fois, on avait sauté sur la voiture. Mais là, du coup, on va prendre ça. Ok. Par contre, là, je connais pas. Ok, je pense qu'il faut aller ici, sur la voiture, ok. Ok, là on commence à être dans les choses sérieuses, 100 mètres. Oh, 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 là déjà j'ai eu chaud. Ah mais on est que là, ok, ah oui. En fait le chemin est vraiment beaucoup plus long, mais il est aussi beaucoup plus simple. Ok, le Bambi, on l'a tracé. Nickel ça. Ouh. Attendez, j'ai envie de la voir passer pour voir si elle tombe. Si elle tombe devant moi, je vais rigoler. Oh, elle est tombée. Force à elle. Oh, j'ai failli me prendre un karma là. Mais non, let's go. Allez, là, on nage. Rien de plus simple. Là, faut pas glisser comme la dernière fois. Ouah, je commence à suer déjà. Ok, c'est pas mal là. Là... Non, pourquoi j'ai bugué? Mais... Oh, mais je suis où? Ah, mais en fait, je suis pas tombé si loin. Oh non. Non, ne dites pas que je peux pas rentrer. Non, attendez. Oh, j'ai eu peur, ok. En plus, j'ai bugué, j'ai eu trop peur de retomber tout en bas. Allez. Oh, j'ai tenté de faire comme les tryharders qui finissaient la map en 3 minutes et j'ai failli regretter. Ok, là, faut pas... Mais pourquoi je bug ici? Non, encore une fois, j'ai bugué ici. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh là là. Ouh, là aussi, j'ai eu chaud. Ok, là, on n'a pas bugué. Oh! Force à celui qui vient de tomber. On n'est pas ensemble. Du moins pour l'instant. Et ça me fait peur parce que j'ai des petits rollbacks. Et à tout moment ça me fait tomber. Et là j'aurais bien le seum. Bah en fait comme la dernière fois. Je sais pas si c'est à cause de Mako qui est éclaté au sol. Ou si c'est la map qui a des petits bugs par-ci par-là. Ok on arrive dans la ferme. Oh ils ont été tagués. Les bottes de foin ont été taguées. Bonne idée en vrai pour les voir. Les gens sont intelligents. Let's go on arrive à la saison 2. Youhou. Et vous savez quoi les gars? Pour représenter la Team Poiscaille, je vais mettre un tag de la Team Poiscaille. Voilà, on représente la Team Poiscaille. Bon, c'est pas le meilleur tag, mais j'ai trouvé que lui. Au moins, ça montre que la Team Poiscaille est arrivée à la saison 2. Et on va faire ça à chaque saison.
si on arrive aux autres. Je me rappelle de là, c'est la première fois où je suis tombé et c'est là où j'ai eu le plus seum, je pense. Ok, là, on traverse ça au KLM. J'espère qu'il n'y a pas de piège. Et là, on commence à arriver où la dernière fois, là, j'ai eu chaud. On commence à arriver là où la dernière fois, je suis tombé. Va falloir faire gaffe. Ouais, parce que là, c'était au niveau des pneus, juste ici. Ok, il n'y a pas un autre passage plus safe par hasard parce que j'ai pas trop envie de faire comme la dernière fois. Ok, si, let's go. Je me rappelle la dernière fois, j'étais tombé ici, j'avais bien le seum. Ok, où je suis là? Que je comprenne un peu. Ouf, mais je sais pas ce que je fais en fait là. Je sais pas où je suis. Ah ok, c'est bon, ok, nickel. Ouh, j'ai battu mon record là. Je crois que j'ai officiellement battu mon record. Donc voilà au moins objectif de la vidéo atteint, j'ai battu mon record, let's go. Je suis à 402 mètres. Ah là si je tombe j'ai bien le seum. Là je suppose qu'il faut aller sur le toit. Nickel. Oh non encore des pneus, vous savez quoi? Jamais de la vie je prends les pneus. Je prendrai toujours le chemin le plus long mais pas les pneus. Oh j'ai des petits rollbacks, ça me fait peur. Attention là faut faire gaffe au trou. Parce que ça serait bête de tomber. Oh si je tombe mais comment je rage. Eh elle est quand là? Oh j'ai eu peur sa mère. Bon elle est quand la saison 3 sinon? Parce que là ça fait longtemps qu'on est dans la saison 2. Oh le stade de foot, oh là là. Incroyable. Oh, saison 3, let's go, on arrive à la saison 3. Et forcément, on remet un petit tac du poids Sky pour représenter la team. Oh, ça fait plaisir. On y est à la saison 3, let's go. On a atteint l'objectif. Maintenant, le prochain objectif, c'est d'atteindre les 1000 mètres. Et ça, ça va pas être la même. Attendez, quel chemin je pense que je pourrais prendre? Soit lui. Mais vous savez quoi, on va continuer tout droit. Parce que là, je connais pas. C'est ça le problème. Donc, on va pas trop se précipiter en vrai. Ok, je crois qu'il faut aller sur la fleur. Ok. Mais là, je suis coincé, là, en fait. Attendez, je sais pas où faut aller. Non, je vais revenir en arrière. Parce que je sais pas où faut aller et j'ai pas trop envie de prendre de risques. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que j'ai pas envie de retomber tout en bas. Donc, on va revenir en arrière et on va passer par là. Non! Non, j'ai glissé! Oh, non! Pas comme ça! Oh, force à celui qui vient de tomber! On n'est pas ensemble! Oh, attendez, je me rattrape. Ok, je me suis rattrapé, je suis pas tombé tout en bas. Mais ça fout le seum bien comme il faut là. Est-ce que si je danse, ça va faire comme à l'époque et le poisson il va bouger? Ah bah non. Attendez, du coup, comment je vais faire là? Ah bah voilà, en fait, c'était sûr. C'était sûr en fait. Ah mais c'était sûr en fait. C'était sûr. Mais c'était sûr, hop, oh, c'est parti. C'est fini la vidéo. Je recommence à zéro, ça fout bien le seum. Bon, malgré tout, je suis quand même content d'avoir atteint la saison 3 et d'avoir abattu le record de la dernière vidéo. Et du coup, les amis, si je fais pas de live, si j'ai pas fait un live, comme je dis, c'est parce que, bah en fait, c'est les vacances et c'est un peu galère de faire des lives. Et d'ailleurs, peut-être, les gars, que je serai un petit peu moins actif ces prochains temps parce que, justement, je vais partir en vacances et du coup, ça va être beaucoup plus compliqué de faire des vidéos. Mais dans tous les cas, comme vous le savez, en septembre, je reviendrai en force. J'essaierai quand même de vous faire quelques petites vidéos. J'essaierai de vous les tourner avant de partir en vacances pour pouvoir publier des vidéos tous les samedis. Hop, là, on saute direct. On perd pas de temps. Et d'ailleurs, les amis, je vous lance un objectif à vous, mais aussi à moi. Ça serait d'atteindre les 500 abonnés avant 2024. C'est-à-dire que, bah, pour m'aider à l'atteindre, abonnez-vous à fond pour que je puisse essayer d'avoir les 500 abonnés avant 2024. Ça serait incroyable. Voilà, c'est mon objectif avant 2024. En vrai, je pense que c'est largement faisable vu comment vous êtes des craquitos. Donc, on y croit. Ok, là en vrai, faut faire gaffe parce que beaucoup de personnes sont tombées et moi là encore, j'ai failli tomber. Ok, nickel là. Là en vrai, après, je gère. Ouh, cette étape elle me fait peur à chaque fois, je sais pas pourquoi. Non, pourquoi j'ai pas sauté? Non, oh. Oh, bah let's go. Heureusement que je suis pas tombé si bas que ça. Non, mais je suis trop con. Je suis trop con là. C'est pas possible d'être aussi con. Tout à l'heure, je me fous de la gueule de quelqu'un qui est tombé. Oh, elle est tombée. Force à elle. Et là, je tombe comme lui. Putain, ça fout le seum ça. Bon, en tout cas, si je dois arrêter la vidéo parce que je rage, j'aurai le flex de dire que j'ai atteint la saison 3. Même si du coup, ça doit être éclaté. Parce que du coup, je me suis renseigné un peu sur la map. Et il y a clairement toutes les saisons du chapitre 1. Donc environ 6 saisons. Et j'ai atteint seulement la saison 3. Donc c'est pas vraiment un flex. Ok, je vais passer par là, ça sera plus safe. Ok, nickel. Là sur la tour, normalement c'est bon. Mais là, on arrive à l'épreuve de précision que je n'aime pas trop.
Ok, nickel, c'est bon. Let's go. Non. Oh, j'ai eu chaud. Et je me feinte moi-même. Oh, ça fait peur, ça. Oh, ça aussi, ça fait peur. Non. Mais pourquoi j'ai pas sauté? Mais non, mais... Oh, ça m'énerve, ça. Mais à chaque fois que je retombe ici, ça me fume. En vrai, de vrai, ça m'arrange de retomber ici, même si ça me fout le seum. Mais c'est mieux de retomber ici que tout en bas. Oh, y'a quelqu'un qui monte avec moi. Ah ouais, lui, il perd pas de temps. Il trace. Ah, bah il est tombé. Il tracera plus. Oh, je suis... Mais voilà, j'en étais sûr, j'allais me prendre un karma. Purée. Et bah, je suis tombé en même temps que lui, du coup. Oh, j'ai trop le seum. Et mais n'empêche, j'ai remarqué que le fait d'être en comblé, ça me fait moins rager que si... Ah. Mais ça me fait moins rager que si j'étais tout seul. Parce que là, tout à l'heure, quand je suis tombé de tout en haut de la saison 3, j'aurais bien ragé si j'étais en solo. Mais là, vu que je suis en comblé, peut-être que ça me fait moins rager. C'est une théorie de Tarley Albert Einstein. Ah, il y a quelqu'un qui vient de rager. Oh, il veut faire ami. Ah bah non. Non, j'étais accroupi. Oh, faut que j'arrête de faire le con, là, ça part en couille. Bon, on va se concentrer un peu, parce que là, on n'est pas trop concentré. Tu concentres-toi ! Concentre-toi ! Et on va passer les 1000 mètres. Mais en vrai, je me dis, imagine, tu tombes de tout en haut, genre, t'es à 500 mètres, ou je sais pas, même... non ! Même à 100 mètres de la victoire, genre, t'es à 100 mètres d'avoir fini All In Up, et tu tombes tout en bas. Ça doit foutre tellement le seum. Mais là, en vrai, je rage. Parce que je tombe de 500 mètres ou de 500 mètres, ouais. Mais si tu tombes de 1500 mètres, ça doit pas être la même. Déjà, le truc, t'as 5 minutes de chute. Tu mets 5 minutes pour tomber. Donc en vrai, comment tu dois rager? Mais après, j'espère que tu tiens pas à ton écran, parce que là, sinon, ton écran, t'as plus d'écran. Clavier souris et tout aussi, tout le monde y passe. Mais je trouve quand même qu'en ça, c'est une bonne map. Même si elle fait bien rager, elle occupe et ça donne envie d'y jouer. Et en soi, c'est juste un bon Death Run. Enfin, c'est plutôt un parcours qu'un Death Run, mais voilà, c'est bien. Là, je vais bien prendre mon temps parce que voilà, faut pas déconner. Et heureusement qu'il y a le mode grimper, hein, parce qu'imaginez s'il n'y avait pas le mode grimper. Ça serait le bordel, et là, ça serait tellement plus dur. Non! Oh, j'ai eu peur, j'ai cru que c'était la fin. J'ai cru que j'allais tomber tout en bas. Et let's go la saison 2! Est-ce qu'il y a encore mon tag? J'espère qu'ils n'ont pas enlevé. Ok, let's go, il est encore là! La team Poiscaille est présente! Non, on va pas sprinter. Non! Pourquoi j'ai pas sauté? Non! J'ai refait la même que la dernière fois! Oh non! Oh pitié, non! Oh, j'ai trop le seum! Mais non, mais pas comme ça! Oh là là! Bon, les amis, en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que là, c'est la dernière vidéo sur Only Up. Après, je ne ferai plus d'Only Up. Soit je le ferai en live, soit bah, ça sera fini pour moi et Only Up. Parce que je vais pas faire non plus 5 ou 6 vidéos. Faut pas pousser le bouchon un peu trop loin. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Oh, comment je viens de flex. Donc voilà, il y a intérêt que j'arrive dans cette vidéo, parce qu'il n'y en aura pas d'autres. Non, mais pourquoi je tombe ici? Pourquoi j'oublie de sauter? Ça m'énerve, ça encore. À chaque fois que j'oublie de sauter ici, je tombe. C'est déjà la deuxième fois. Bon, qu'est-ce qu'il fait le Bambi, là? Il avance ou... Il fait quoi, là? Il fait un blocus. Il a cru qu'on avait son temps. Oh non, j'ai oublié. Bon, les amis, je pense qu'on arrive à la dernière montée. Si je retombe, je pense que j'arrêterai la vidéo. Parce que voilà, ça fait déjà un petit peu longtemps que je tourne. Et je vais pas vous mentir que je rage un peu. Et j'ai pas envie que la vidéo soit trop longue aussi. Donc voilà, on va essayer de monter le plus haut possible. Sans non plus trop rager quand on va tomber. Parce qu'on sait... On sait qu'on va tomber, voilà. Faut pas se cacher la face. On sait qu'on va tomber comme une grosse merde. Oh ah. Oh, il y a une réunion ici. Oh, oh, force à lui, il vient de tomber. Oh, son pote, il est dégoûté. Il est tout seul maintenant. Oh, attendez, est-ce qu'il va aller rejoindre son pote? Ah bah, ah non, il s'en bat les couilles. Il continue le chemin. Ciao. Ah là là. Oh, il me suit. Ça se trouve, je viens de faire ami avec quelqu'un. Et je sais pas si vous entendez comment je spam ma touche espace. Ouh, là, j'ai eu chaud. Et je la spam fort parce que j'ai peur à chaque fois de retomber ou de... Devoir m'agripper. Ouh, là encore, j'ai eu chaud. Mais des fois, je me feinte moi-même en accélérant, c'est trop. Nickel, saison 2, let's go. Et bien entendu, il y a toujours le petit tag Poiscaille, ça fait plaisir. Attendez, parce qu'ici, c'est un vrai labyrinthe, tu comprends rien à ce qui se passe. Ok, nickel. C'est la deuxième fois depuis le début de mon histoire sur Only Up que j'arrive à cet endroit.
Bien entendu, jamais je prends la voie des pneus. La voie la plus dure du monde. Alors là, je commence à stresser, les gars. Parce que j'ai pas envie de tomber. Vous savez quoi, les gars? Si j'atteins les 1000 mètres dans cette manche, c'est-à-dire si j'atteins les 1000 mètres maintenant sans tomber, je fais une mission du jour. Vous voyez les petites missions du jour qu'il y a sur TikTok? Et bah, je fais celle de demain et je vous la publie en short, ok? Je m'engage, si je passe les 1000 mètres, à vous faire ça. Donc j'espère que la mission du jour de demain sera pas trop compliquée parce que voilà quoi. Et voilà, moi si je passe les 1000 mètres... Ah bah du coup, il n'y aura pas de passer les 1000 mètres. Ah putain, j'ai bien le seum. Non. Je suis tombé comme une grosse merde. Oh, j'ai trop le seum. Oh non. Oh là là. Bah du coup, il n'y aura pas de mission du jour. Bon voilà les amis, malheureusement, je vais arrêter la vidéo parce que voilà, apparemment, je suis nul à Only Up. Only Up, c'est pas fait pour moi. Après, voilà, hein, comme on dit, on peut pas être fort partout. J'essaie de me rattraper, mais en vrai, je suis trop nul. Dans cette vidéo, je suis tombé comme de la grosse merde. Vous voyez, c'est pas comme la dernière fois où je suis tombé parce que je découvrais la map. Là, la map, je la connais. Je suis juste trop nul. Je suis tombé comme de la merde. Bon, bah voilà, dernière vidéo, deuxième et dernière vidéo sur Only Up. J'espère qu'elle vous aura plu. Peut-être un live d'ici fin août pour essayer de la finir cette fois-ci une bonne fois pour toutes, même si je ne pense pas que je la finirai. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. N'oubliez pas, objectif 500 abonnés avant 2024, ça me ferait extrêmement plaisir. Et sur ce, je vais vous dire ciao, bisous tout le monde, et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.